Frères et sœurs, téléspectateurs, téléspectatrices du réseau Sel et Lumière, bienvenue à cette célébration eucharistique à la fête de Sainte Anne, mère de la Vierge Marie et patronne de la province de Québec. Cette messe sera célébrée ce matin pour le repos de l'âme de Madame Jeannette Larose. Et nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La foi est le moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Parce qu'il nous est difficile de croire sans voir, tournons-nous vers le Seigneur de toute miséricorde. Par la foi, tu ouvres nos yeux pour que nous puissions te voir, Seigneur Jésus. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Par la foi, tu ouvres nos oreilles pour que nous puissions comprendre ta parole. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Par la foi, tu élargis notre cœur à la mesure de ton amour. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Chantons maintenant la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, accepte ce que nous t'offrons de grand cœur, que nous ayons part à la bénédiction promise à Abraham et à sa descendance, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est la manière de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qui devait lui être donné comme héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner comme étranger dans la terre promise. C'est dans un campement qu'il vivait, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse que lui,
car il attendait la cité qui aurait de vraies fondations, celle dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'avoir une descendance parce qu'elle avait pensé que Dieu serait fidèle à sa promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, ont pu naître des hommes aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et les grains de sable au bord de la mer que personne ne peut compter. Tous, ils sont morts sans avoir connu la réalisation des promesses, mais dans la foi, ils l'avaient vu et salué de loin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Car le Seigneur a fait choix de Sion. Elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais. C'est le séjour que j'avais désiré. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Là, je ferai germer la force de David. Pour mon Messie, j'ai allumé une lampe. Je vais tirer ses ennemis de honte, mais sur lui la couronne fleurira. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Les parents de la Vierge Marie attendaient la consolation d'Israël. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples : À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Heureux vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. «
Frères et sœurs, la fête de Sainte-Anne est particulièrement célébrée ici au Québec. Il suffit d'aller, par exemple, à Sainte-Anne-de-Beaupré pour le constater, et ailleurs aussi. Si nous allons, par exemple, encore à Sainte-Anne-de-Stockley, Sainte-Anne-de-la-Pérade, à Sainte-Anne-de-Sabrevoix, et que sais-je encore, nous allons voir des foules se rassembler pour prier la patronne du Québec et la mère de la Vierge Marie. Cette dévotion à Sainte-Anne nous vient, paraît-il, de nos ancêtres bretons, nos ancêtres qui priaient Sainte-Anne quand ils voyageaient sur la mer. Sainte-Anne, comme vous le savez, est la grand-mère de Jésus. Et comme toutes les grands-mamans, elle a dû être très attentive à son petit-fils. Et comme tout petit-fils, Jésus dut affectionner tout particulièrement sa grand-mère. Les grands-parents sont faits pour cela, donner de l'affection à leurs petits-enfants. Sur le plan de la foi, nous sommes, pour ainsi dire, tous et toutes les petits-enfants d'Anne, puisque nous sommes tous frères et sœurs de Jésus, le premier-né d'une multitude de frères. C'est pourquoi aujourd'hui, nous prions d'une manière spéciale Sainte-Anne. Grâce à la foi, elle est présente à nous et nous accompagne avec affection dans notre voyage de la terre au ciel. Ce matin, demandons à Sainte-Anne de regarder avec amour et tendresse tous ses petits-enfants de ce monde, qu'elle les protège et qu'elle les aide à traverser la vie d'ici-bas jusqu'à la vie éternelle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accepte ce que nous t'offrons de grand cœur, que nous ayons part à la bénédiction promise à Abraham et à sa descendance, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle
dans la communion avec eux une famille et dans leur intercession un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. » Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir
auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Anne, Saint Frère André et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs, pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le corps et le sang de Jésus. Invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que ton Fils unique naisse d'une famille humaine pour que tous les êtres humains, dans un admirable échange, renaissent de ta propre vie. Accorde à ceux et celles que tu as nourris du pain de tes enfants d'être sanctifiés par ton esprit d'adoption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de Sainte-Anne, bonne journée. Allez et demeurez dans la joie et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.